Privilège particulier qu'on s'est attribué. C'est l'Assemblée qui nous a nommés. Voilà. C'est la démocratie. Nous avons des rapports horizontaux. Oui. Donc, je voudrais juste revenir un petit peu sur le contexte présent aujourd'hui en France, qui est tellement marqué par cette résurgence de l'histoire de la France en Algérie, l'histoire de la colonisation, l'histoire de la guerre d'indépendance. Toutes les horreurs qui ont accompagné et l'une et l'autre, la colonisation et la guerre. On en parle aujourd'hui comme on n'a, je pense, jamais parlé jusqu'à présent. Ça tient à quantité de facteurs, ça tient aux travaux des historiens, ça tient aux mobilisations citoyennes autour de tel ou tel aspect, et ça a été mis sur la place publique. Avec une force telle que finalement, on est arrivé l'an dernier a presque officialisé cette sorte de débat au niveau politique avec la demande qui a été faite à Benjamin Stora de fournir un rapport. Et la résultante de tout ça, c'est que la question est posée de plus en plus clairement à la France de se regarder, de regarder son passé, de regarder son histoire et de le regarder en conscience maintenant à la lumière des travaux des historiens, etc. etc. Et donc, ce moment particulier, me semble-t-il, est, je crois, vraiment un point très positif. Il faut se féliciter qu'on soit aujourd'hui enfin capable d'affronter la réalité de notre passé colonial de la France. Cette année, pour le soixantenaire, les commémorations vont forcément être à la hauteur de cette mobilisation, de cette prise de conscience du monde citoyen en France. Et de fait, dans toutes les grandes villes, Paris, Toulouse, où ils ont fait un programme absolument magnifique, Lyon, Grenoble, Montpellier, et puis dans plein de villages et d'autres, Lille, et où il y a vraiment des initiatives qui sont prises, etc. Et dans quantité de petits villages en France, il y a des initiatives qui sont prises à la faveur de ce 60e anniversaire de la fin de la guerre et de l'indépendance. Et donc, ces initiatives, en règle générale, ci et là, elles sont prises par des associations, des groupements d'associations, éventuellement avec l'appui de municipalités, voire à l'initiative dans certains cas de municipalités, comme à Lyon par exemple. Et à Marseille, quand on s'est posé la question, il nous a semblé qu'il était nécessaire de procéder un petit peu différemment, parce que Marseille est une ville qui se distingue des autres par son histoire avec l'Algérie. Marseille, c'est une ville sœur d'Alger, et en Algérie, les gens se régalent à dire « Marseille, c'est la 49e wilaya ». Il y a vraiment une relation forte, particulièrement forte de Marseille avec l'Algérie. Et en plus, et peut-être même surtout, j'ose pas dire, il y a à Marseille 40% de la population qui a quelque chose à voir personnellement avec l'Algérie. Donc ça, c'est considérable, ce qui fait que Marseille se distingue un petit peu des autres villes de ce point de vue-là. Et là, il nous a semblé que, pour le coup, on devait essayer de créer quelque chose de plus large que simplement une initiative par un tel et un tel, deux ou trois associations, etc. Et donc on a décidé la création de ce collectif, un collectif d'associations citoyennes, en posant dès le départ qu'il était largement ouvert. Que tout se ferait dans ce collectif par
la discussion entre, tous, entre l'ensemble de ceux qui s'y reconnaissent et qui veulent mettre en place un programme. Et voilà un petit peu l'historique de la chose. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait? Peut-être que je te laisse parler de ça. C'est ce qu'on avait prévu, mais la parole doit circuler. Samia va donner la parole. Voilà. Oui, je vais distribuer la parole, parce que l'objectif, ce n'est pas effectivement que je la monopolise, loin de là. Je voudrais quand même citer le nom des associations qui constituent ce collectif et quand même dire un mot d'introduction sur le fait que je me réjouis que ce collectif ait pu se constituer autour de ce soixantenaire des accords d'Évian et de la fin de la guerre d'Algérie, parce que nous y travaillons avec Jacques depuis de nombreux mois. Nous avons alerté les différentes autorités locales sur l'enjeu à la fois de valorisation, mais aussi de transmission et de participation de chacun d'entre nous à cet engagement en faveur de cette célébration. Parce que pour nous, les enjeux, comme l'a d'ailleurs aussi indiqué le rapport Stora, c'est cet enjeu pour l'avenir, cet enjeu pour nos enfants, pour la société française, que d'arriver à, aujourd'hui, rendre compte de ces événements et puis aussi de les transmettre de façon apaisée. On ne parle pas de repentance, on ne parle pas de réconciliation, ce ne sont pas nos mots, mais par contre que ce soit transmis de façon apaisée pour que les futurs citoyens et les actuels déjà puissent s'emparer de cette question, peut-être tirer des leçons de ce qu'ont été ces conflits du XXe siècle, pour ne pas les reproduire, puisqu'on est dans un contexte aujourd'hui qui est préoccupant sur toutes les formes d'impérialisme dont on hérite dans ce XXIe siècle. Alors, par ordre alphabétique, les associations qui sont engagées à nos côtés, c'est AFLAM, donc Ancrage évidemment, l'Association nationale des pieds-noirs progressistes et de leurs amis, les cheminots Casipaca, Coup de Soleil, l'Espace franco-algérien, les Amis de la Marseillaise, le 4ACG, le Mouvement de la Paix, le MRAP 13, Promémo, Twiza Solidarité et je n'oublierai pas la CIMAD. Comme disait Jacques, je pense que ce collectif reste ouvert à toute personne prête à partager les valeurs de cet édito. J'insiste dessus, puisque nous avons conçu cette initiative comme une initiative de rassemblement, une initiative qui promeut aussi une meilleure connaissance des événements de cette guerre d'Algérie à Marseille et de son impact à Marseille, de l'implication des militants, des personnalités politiques, mais aussi de la société civile à Marseille, parce qu'il nous semble que du point de vue, y compris de la recherche, il y a encore beaucoup de choses à apporter, à faire connaître. On connaît tous le 17 octobre 61. Au niveau national, on connaît moins l'impact d'un attentat comme celui de Mouropiane en 1958. On a à Marseille aussi des personnalités militantes, je pense notamment à Baya Jurké, mais évidemment, dont le livre est là. Mais évidemment, il y a plein d'autres personnalités qui se sont engagées de façon très importante en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Et puis pour l'association Ancrage, dont l'enjeu est quand même de travailler sur cette transmission en termes de connaissances scientifiques, c'était très important qu'on organise toute une série d'événements qui se déclinent de mars à décembre 2022, dont l'objectif est principalement la transmission scientifique de ces événements à Marseille. Alors nous, on aura la joie de partager avec vous une exposition qui sera un peu une mise en perspective historique du traitement par la Marseillaise de ces événements de la guerre d'Algérie. Et de la même façon que l'humanité a pu être censurée, a pu être pendant tout le traitement de ce conflit, on verra comment la Marseillaise et quel rôle a joué la Marseillaise, le journal de la Marseillaise, dans le traitement médiatique de ce conflit. Donc un des premiers événements qui se déroulera le 18 mars porte précisément sur la façon dont le quotidien de la Marseillaise à traiter la question de la guerre d'Algérie. Et nous invitons Rosa Moussaoui pour cette occasion, qui, comme vous le savez, a coordonné avec Alain Ruscio cet ouvrage sur l'humanité censurée, le 18 mars. Je vais égrener comme ça un peu les événements pour donner la parole à chacun d'entre nous. Et du coup, j'enchaîne avec le mouvement de la paix, Michel Dolo, pour le 19 mars.
d'envergure, qui est celle d'un traité de paix entre la France et l'Algérie, puisqu'il y a eu les accords d'Évian ne sont pas un traité de paix, hein, c'est simplement un cessez-le-feu. Il n'y a toujours pas de traité de paix, et on considère que ça serait un outil, dès lors qu'il sera en place, qui va permettre aux États de régler toutes les questions qui sont réparables, et puis peut-être aussi créer des circonstances politiques qui permettent aux choses qui sont beaucoup plus difficiles à régler, parce qu'elles touchent l'affect, de quand même trouver des solutions dans un avenir et dans un projet commun. Ça, c'est pour présenter un petit peu la dynamique qui anime le mouvement de la paix, qui est quand même une organisation nationale. Pour ce qui nous concerne particulièrement à Marseille, on a choisi le 19 mars de présenter un film qui est bien placé, puisque quelque part il fait le lien entre le passé colonial, le présent et l'avenir. Et c'est le paradoxe, parce qu'en ce moment, on a tous entendu la déclaration de Poutine avec les armes nucléaires. Enfin, c'est pas si paradoxal que ça, finalement. C'est que ce documentaire va traiter des essais nucléaires français en Algérie et du fait qu'on ait laissé là-bas tous les déchets radioactifs. Alors, ça, c'est pour ce qui concerne le passé, bien sûr, puisque c'était nos essais. C'est pas si simple que ça, parce que les essais ont continué jusqu'en 1966, donc après l'indépendance. Là. Donc, c'est compliqué, un traité de paix, parce qu'il y a tous ces problèmes à régler. Il faut tous les régler. Le présent, pourquoi ? Parce que par rapport aux déchets nucléaires, on dispose aujourd'hui d'un traité international qui s'appelle le traité international de l'interdiction des armes nucléaires, qui prévoit dans son article 6 que les États signataires du traité s'engagent à réparer les dégâts écologiques et humains liés à une explosion nucléaire. L'Algérie, qui a participé tout au long du processus de rédaction de ce traité, et va bientôt le ratifier. Donc elle va se trouver confrontée à la problématique de nos déchets laissés dans le Sahara. Ça, c'est pour le présent. Donc dans cette action collective, donc on va parler de ça. Et pour le futur, bien pour la petite histoire, l'année dernière au printemps, l'hiver dernier, je veux dire, il y a eu un vent du désert qui est arrivé sur les Alpes, et je ne sais pas si vous aviez noté, il y avait des poussières radioactives qui viennent des endroits du Sahara où les déchets sont éparpillés et très nocifs, parce qu'ils vont durer des dizaines de milliers d'années. C'est les plus nocifs, ils sont suite à des accidents qui se sont produits. Donc je vous invite le 19 mars au 106... Avenue Françoise Duval. Voilà, François, au hangar, pour la représentation de ce documentaire qui sera soutenu par Elisabeth Touvray, qui est la réalisatrice. Merci beaucoup, Michel. On enchaîne avec le 25 mars, donc les mémoires plurielles de la guerre d'Algérie, avec l'association des Pieds Noirs Progressistes et de leurs amis. Est-ce que Hélène, tu veux t'exprimer ou D'accord, bon, pourquoi pas. Oui, et donc ça se tiendra à l'auditorium de la mairie de secteur du 1-7. Voilà, donc c'est... Oui, bien sûr. Et donc il y aura d'une part la projection d'un film, et d'autre part une conférence avec quelqu'un qui s'est toujours posé cette question-là de la mémoire, Tramor Kemener. Et moi, c'est quand il parle de la mémoire et des différentes formes de mémoire, la mémoire enfouie, la mémoire qui ressort, la manière dont la mémoire mûrit et se transforme, etc. Il a fait un travail absolument formidable sur ces questions-là de Tramor Kemener. Alors le film en introduction, c'est un film de Nicole Garcia, Un balcon sur la mer. Alors, c'est un film que moi, je n'ai pas vu, j'ai demandé l'avis de plusieurs copines et copains qui l'ont vu, et les sentiments étaient partagés. Il y en a qui avaient trouvé ce film un petit peu lénifiant, et d'autres qui, au contraire, trouvait que ce film tapait tellement juste parce qu'il mettait, il faisait ressortir tout ce qui est la douleur et la complexité de la mémoire d'événements qui ont marqué dans le passé. Donc ce film-là sera en quelque sorte en introduction de l'intervention de Tramor Kemener. Tramor Kemener, qui est un jeune historien, enfin jeune, oui, il est jeune, bien sûr, il a 45 ans, encore dire ça. Ou 50 ans,
Pardon ? Qui fait partie du conseil scientifique du rapport Stora. Oui, oui, oui. Alors, c'est quelqu'un qui a grandi, si j'ose dire, en tant qu'historien, avec Benjamin Stora. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps dans l'association. Et moi, c'est un scientifique pour que j'ai beaucoup de respect. Voilà. Alors, on enchaîne avec AFLAM et je donne la parole à Solange Poulet. Nous, à AFLAM, on avait préparé notre festival comme chaque année et cette année, il aura lieu en vrai au Mucem, mais aussi dans d'autres lieux qui sont le polygone étoilé, le Vidéodrome 2. Et dans ce festival, on avait déjà engagé tout un travail en parallèle à la programmation des films récents qui sera que vous pourrez bien sûr voir. Vous verrez que en parallèle à ça, on avait déjà engagé une histoire de l'histoire algérienne et de ce qui se passe maintenant au niveau de la mémoire. Et cette histoire, elle s'articulait très fort sur une des grandes lignes de notre festival, qui est d'avoir remarqué que les jeunes cinéastes d'aujourd'hui se rapportent à la mémoire, non pas pour se servir d'images d'archives pour illustrer, mais pour questionner les luttes d'aujourd'hui. Et c'est un autre moment de l'histoire du cinéma. Donc nous, on avait un axe qui était là-dedans, à la fois dans nos films récents, et du coup, on a creusé, donc Mathilde Rouxel, qui est spécialiste chez nous de ce genre de thématiques concernant les archives, a préparé plusieurs séances qui auront lieu et qui ont des thématiques, vous les avez dans le document, mais je vous les redonne. Donc il y en a une qui portera sur les solidarités transnationales, l'Algérie et la Palestine, mec et symbole des révolutionnaires, avec des films de René Vautier. Avec des films de Jean Chamoun, avec des films, vous verrez, il y a plusieurs films qui peuvent vraiment intéresser ce dont nous parlons aujourd'hui, en voulant revenir sur cette histoire de l'Algérie et de ses luttes à Marseille ici. Ensuite, il y aura au Vidéodrome 2 une autre série de projections avec des images de l'indépendance, l'Algérie, image de l'indépendance, avec des images de Marc Ferraud, de Cécile Decugis, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est une réalisatrice qui avait tourné en Tunisie, auprès de Vautier, des choses qui concernaient au moment où les révolutionnaires ou le FLN étaient passés en Tunisie. Des choses très intéressantes sur la lutte. Et puis bien sûr, la Zerda de Assia Djeba. Et nous aurons le plaisir d'avoir Wassila Tamzali. Ah, voilà, nous ne le savions pas encore, c'est pour ça qu'il faut présenter toutes ces... Voilà, et puis ensuite, il y aura un autre volet qui concernera plutôt l'image de l'Algérie dans ce qui était concocté par le ministère de l'Éducation pour des images qui étaient à destination des écoles et des collèges à l'époque de la lutte algérienne. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y aura un hommage à Merzak Elouach. Donc ça, l'hommage à Merzak Elouach, c'est le choix de deux cinéastes maintenant souvent marseillais, enfin un qui l'est complètement, Hassan Ferhani, et Nabil Jedouani, qui seront tous les deux là pour présenter les films avec Merzak, qui est aussi pour animer une table ronde avec lui. Voilà, donc je vous conseille de regarder bientôt le programme qui aura ce visuel-là cette année, et puis de nous rejoindre, et bien sûr que nous annoncerons aussi le plus possible les manifestations qui ont lieu, mais peut-être pas le 25, c'est compliqué, parce que c'est en plein milieu de notre festival, donc... Peut-être qu'on n'arrivera pas à tout coordonner, mais ça va complètement avec les questionnements que nous avons aussi cette année. On est ravis qu'il vienne à Marseille parce qu'il fait un travail absolument considérable de partage des archives du cinéma algérien et ça me semblait important de le préciser. Donc on enchaîne le 5 avril. Le 5 avril, vous savez que c'est le vernissage de l'exposition sur les Mirs Abdelkader au Mucem. Évidemment, le Mucem ne fait pas en tant que telle partie du collectif, mais il attire notre attention et il organise une visite particulière pour les membres du collectif, conscient que cette figure de l'émir Abdelkader est tout à fait particulière, avec peut-être des interrogations sur la réception d'une exposition qui est celle d'un musée national à destination de cette figure tout à fait exceptionnelle. Évidemment, nous sommes très attentifs à la façon dont l'émir Abdelkader aujourd'hui est présenté comme un chef de guerre, alors même que l'émir Abdelkader a été une grande figure de la culture de paix dont nous nous revendiquons dans ce collectif. Yes, madame, bien sûr. Vendredi 22 avril, donc projection d'un film multiprimé, Ne nous racontez plus d'histoire,
du réalisateur Farhat Mouhali et de Carole Filiou, au cinéma Les Variétés, un film dont nous sommes très heureux de diffuser, que nous sommes très heureux de diffuser à Ancrage, et nous ne serons pas les seuls au cinéma Les Variétés, d'abord parce que c'est aussi un film réalisé avec, par deux Marseillais, et que pour nous ça nous semble tout à fait important, comme je le disais en introduction, que le film puisse être vu aussi d'un point de vue, que ce programme soit reçu du point de vue des Marseillais aussi. Un film qui sera suivi d'une conférence avec Giulia Fabiano, qui elle a beaucoup travaillé sur la question des traces, des mémoires et des transmissions de la guerre d'Algérie, et notamment de la mémoire Harki, parce que nous ne nous interdisons de travailler sur aucune mémoire dans ce collectif. Au contraire, notre enjeu, c'est sortir justement de cette instrumentalisation mémorielle, de ces concurrences mémorielles dans lesquelles nous sommes depuis plus de 60 ans et qui nous semble tout à fait important que les citoyens en ont conscience, que ce patrimoine de l'exil qui est issu de la guerre d'Algérie est un patrimoine aussi en souffrance et un patrimoine difficile pour toute une série de Marseillais, qui nous semble aujourd'hui très important de reconnaître peut-être cet aspect-là, qui vraiment nous invite à sortir de ces questions de concurrence mémorielle. Alors il y aura toute une série d'événements, des balades patrimoniales, cette exposition à laquelle je faisais référence. Et je donne maintenant la parole à Coup de Soleil. Nous sommes l'association Coup de Soleil. Coup de Soleil, c'est une association qui a une envergure nationale, enfin, nationale française. Nous avons au niveau local, enfin moi je suis nouvellement Marseillais à vrai dire, je suis depuis une année maintenant Marseillais, mais je suis résident bien Marseillais maintenant, et donc je participe disons un petit peu au développement d'une section locale, disons d'envergure au niveau de PACA, de notre association, qui a en fait l'objectif essentiellement promouvoir la culture entre les deux rives et la création culturelle, quelle que soit l'origine en fait de cette création, qu'elle provienne des nationaux algériens ou des nationaux marocains ou tunisiens, d'ailleurs en fait c'est bien évidemment ça concerne tout le Maghreb, mais aussi la création donc de gens qui sont résidents ici en France, ou des juifs, des chrétiens, enfin donc l'objectif c'est essentiellement promouvoir la culture entre les deux rives. Alors mon objectif ici donc c'est effectivement faire connaître cette association donc Coup de Soleil nous avons convenu et bien évidemment approuvé la création de ce collectif dans lequel nous nous sommes engagés. En particulier, nous avons pensé utile, effectivement, avec le MUCEM, de promouvoir, en parallèle à l'exposition dont parlait Samia, la projection d'un film, un film documentaire sur justement les mérites de Kader, le faire connaître effectivement ses qualités de tolérance, en particulier, et puis donc tout ce qu'a dit Samia. Cette projection se fera le 6 mai au MUCEM, et elle sera suivie avec une table ronde qui sera en particulier animée par deux conseillers scientifiques qui ont participé d'ailleurs à la création ou au montage, j'allais dire, de l'exposition qui aura lieu au MUCEM. Il s'agit de Christian Delorme, que peut-être vous le connaissez, et Ahmed Bouyaden. Merci beaucoup, Afid. Alors, on poursuit pour que chacun puisse prendre la parole. Donc, très rapidement, le vendredi 13 mai, on reçoit également Sylvie Thénault à la librairie L'Hydro-Mille-Têtes, toujours ancrage sur la question des ratonnades, son dernier ouvrage sur les ratonnades d'Alger 1956, une histoire du racisme colonial. Comme le disait Jacques en introduction, c'est à la fois revenir sur toute la période coloniale, donc vous voyez de 1830
à 1962 avec une personnalité comme un personnage comme l'émir Abdelkader qui sera évoqué également au MUCEM, mais également resserrer un peu 1954-1962 sur la guerre d'Algérie, en particulier à Marseille, avec évidemment des historiens qui ont produit cette histoire populaire aussi hein, de la guerre d'Algérie à Marseille. Donc, le 13 mai, ce sera le 13 mai. On donne la parole à nos amis du MRAP. Donc c'est important aussi d'être dans les quartiers nord. Alors je voulais juste rappeler donc notre mobilisation s'inscrit pleinement dans les luttes pour la démocratie, l'émancipation féministe, contre le racisme et le néocolonialisme. C'est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que nous avons eu la chance justement d'avoir au MRAP comme présidente pendant de nombreuses années Baïa Boumoun Alaouchiche Jurké. C'est une femme qui était militante depuis son plus jeune âge et moi personnellement, ça fait pendant plusieurs années, plusieurs décennies, j'ai été à ses côtés, j'ai milité avec elle. J'ai appris beaucoup et elle a transmis justement énormément de choses justement de sa lutte. Et ce qui est ce que nous avons voulu faire en passant le film Baïa de Daniel Kupferstein, qui est un cinéaste, qui a travaillé beaucoup sur cette période, c'était de ne pas, c'était plutôt de visibiliser la lutte des femmes dans justement la lutte pour l'indépendance en Algérie. On n'en parle jamais suffisamment. Les femmes ont eu un rôle extrêmement important, que ce soit à l'intérieur de l'Algérie ou que ce soit à l'extérieur de l'Algérie, puisque l'immigration algérienne était aussi participante de la révolution algérienne. Donc c'est très important de le dire. Et Baïa, justement, c'est un portrait qui relate sa vie et pour montrer aussi que dans les années 20, dans les années 30, les femmes étaient mues par une émancipation et voulaient changer aussi la société. Elle a vécu, comme on le verra dans le film, elle a vécu des choses terribles comme un mariage à 14 ans, imposé par son oncle, mais elle a su... comme on dirait aujourd'hui, elle a été résiliente et elle a su s'engager au sein du Parti communiste algérien, du Clos Salambier, c'était là où elle était. Et il y avait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que dans ces cellules communistes, il y avait des républicains espagnols, des antifascistes italiens, des Français, il y avait Fernand Yveton, il y avait le lieutenant Maillot, il y avait toutes ces personnalités qui ont fait... que la révolution a avancé avec ces gens-là aussi. Donc c'était important de le dire. Et donc nous vous invitons, alors on sera à l'Alhambra, on est accueillis par le directeur qui a été très content de nous accueillir. Et ça sera aussi, donc on aura deux films, et on a aussi souhaité passer le film, donc ne nous racontez plus d'histoire, parce qu'on voulait aussi qu'il passe dans les quartiers nord, en sachant que les gens des quartiers nord ne vont pas forcément dans les cinémas du centre-ville ou des variétés. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Et on a aussi voulu travailler avec, parce qu'on est vraiment dans l'amitié entre les peuples, travailler avec la Maison du Champ, puisqu'il y aura une troupe qui s'appelle les Champs Voyageurs, qui est dirigée donc, par la chef de chœur, c'est Fatia Faure, qui fera un intermède musical avec des chansons d'Algérie, mais aussi Maghreb, Moyen-Orient. Merci beaucoup, merci Ouya pour d'avoir été courte et synthétique. Donc le vendredi 20 mai, on poursuit avec un film qui est inédit, la projection d'un film documentaire qui s'appelle Sur les traces de Fanon, qui a été réalisé par Mehdi Lalaoui. Ça nous semblait très important aussi de revenir sur cette figure qui est France Fanon, justement précisément pour travailler sur les traumas aussi hein, de cette période coloniale et la façon dont ces imaginaires coloniaux continuent de nous... Évidemment, le programme que j'égrène aujourd'hui n'est pas définitif. Il y a beaucoup d'éléments qui apparaîtront et qui seront incrémentés au fur et à mesure. Vous pourrez retrouver toute la programmation à jour sur le site d'Ancrage. Le vendredi 27 mai, c'est donc de nouveau... une conférence avec Aïssa Kadri. Alors là, je ne sais pas qui veut s'exprimer à ce sujet. Mohamed Kandrich, oui, de Twiza Solidarité. Bonjour, donc Twiza Solidarité. Twiza Solidarité existe depuis 26 ans et œuvre pour le renforcement de liens entre les deux rives, en particulier avec l'Algérie.
Je remercie tous les amis ici qui sont présents pour l'organisation de cet événement, justement, parce qu'on a toujours milité pour le renforcement de la paix entre les deux pays. Donc c'est une occasion pour moi très très amicale et fraternelle. Bien donc, nous, nous travaillons ensemble avec trois associations. L'association 4ACG, les anciens appelés contre la guerre d'Algérie, les Pieds Noirs Progressistes avec Jacques, c'est des amis donc depuis quelques années, nous travaillons ensemble et notamment nous assurons des conférences à l'université et puis dans les collèges. Et là, on s'est mis d'accord pour donc organiser ensemble quelques événements. Entre autres, la première, c'est le 27 mai, avec donc deux universitaires. Issa Kadri, qui est donc professeur émérite en sociologie à l'université de Paris 8. Et puis Olivier Lecourt Grandmaison, politologue, maître de conférence en sciences politiques. Et l'idée, c'est donc, l'un parlera beaucoup plus un peu de la période de la colonisation. Lecourt Grandmaison a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis notre ami Issa Kadri parlera beaucoup plus de ce qui s'est passé pendant la période de l'indépendance, de la guerre de libération. Donc nous n'avons pas encore la salle, Jacques. Si, si. On espère donc, parce qu'il faudrait qu'on communique la salle, si c'est possible. Donc là, on va avoir deux universitaires qui ont bien sûr réfléchi, travaillé sur ces thèmes-là, qui pourront donc nous éclairer sur les travaux qu'ils ont conduits. Je continue sur le maintien. Allez, vas-y, je t'en prie. Et la deuxième donc intervention que nous avons donc programmée avec les amis, c'est de faire venir Rachid Kateb, sociologue, écrivain, éditeur. Kateb. Rachid Kateb, donc sociologue, écrivain, éditeur à Alger, qui lui a fait donc un ouvrage extrêmement intéressant. Justement, les amis l'ont soulevé tout à l'heure sur les libéraux européens durant la guerre de libération. Nous pensons qu'aussi là, souvent, on n'en parle pas assez. Et donc, c'est l'occasion de faire venir quelqu'un qui vient d'Algérie pour parler de ça. Et je crois que c'est très important de mettre en valeur toute cette participation de gens qui ont milité pour la dignité humaine. Et aussi, les amis l'ont soulevé tout à l'heure, le rôle des femmes a été extrêmement important dans la guerre de libération et bien avant. Aussi d'organiser des événements qui rappellent l'apport des uns et des autres. Après, je dois parler de la troisième ou... Eh bien, vas-y, puisque voilà. Tu as la parole. Vous voyez, Jacques a pas la parole. Et nous espérons aussi, donc, les trois associations, bien sûr, tous les amis qui veulent se joindre à nous, le 5 juillet, faire un témoignage avec, donc, des amis qui ont sur la guerre de libération, notamment des amis de 4ACG, qui ont donc fait leur service militaire en Algérie, qui pourront apporter un témoignage. Des amis, donc, bien sûr, des Pieds Noirs Progressistes qui pourront apporter leur témoignage. Et mobiliser aussi des anciens maquisards algériens qui vivent ici à Marseille pour apporter leur témoignage. Et bien évidemment d'autres aussi. Hein. Donc l'idée, c'est d'organiser une petite table ronde des amis qui ont vécu et qui peuvent nous témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant cette période de la guerre de libération. Merci, Mohamed. Voilà donc, merci à vous. Merci beaucoup. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, comme je le disais, il reste encore beaucoup de choses à écrire. Il y a très peu de thèses sur la guerre d'Algérie à Marseille. Il y a très peu de recherches. Donc il y a une recherche de témoignages. Nous, à Ancrage, on est régulièrement sollicités. On est sollicités, par exemple, par deux documentaristes autour d'un documentaire qui s'appelle Baumettre 61, que vous pouvez retrouver en ligne, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais un certain nombre de prisonniers politiques ont été, plus de 300 ont été enfermés à la prison des Baumettes à Marseille. Donc ça constitue... Pardon ? Politique du FLN. Politique du FLN. Non, parce que politique... Bon, bien sûr. Qui ont été donc enfermés aux Baumettes. Et donc il y a ces deux documentaristes qui sont aussi très intéressés par des témoignages possibles de Marseillais. À ce sujet-là, évidemment, ça concerne aussi les camps d'internement qu'ont subi un certain nombre de familles marseillaises à cette époque-là. Donc on poursuit cette programmation. Je vais donner la parole à tout le monde, bien sûr. Le 17 juin, on a une rencontre aussi avec Gilles Manseron sur les archives de la guerre d'Algérie.
Ça ne vous a pas échappé que les enjeux historiographiques des archives sont conséquents hein, pour permettre de poursuivre ces recherches. Il nous semblait tout à fait intéressant d'associer Gilles Manseron, avec lequel, qui est donc historien et avec lequel nous avons une collaboration autour du site histoirecoloniale.net, qui est un site qui valorise le travail d'une autre association dont je voudrais citer ici le nom, qui est la LDH, la Ligue des droits de l'homme de Toulon, et notamment François Nadiras, qui a été un des acteurs et des militants les plus engagés en faveur de la connaissance de la guerre d'Algérie dans notre territoire. Et il me semble que c'était très important qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Ce travail qui sera fait avec Gilles Manseron aura pour objectif, bien sûr, de revenir sur les enjeux d'ouverture et de communicabilité des archives. Une conférence dont je dis un mot très rapidement, qui est celle du 25 juin, si tu me permets, Hélène, qui est toujours en cours de construction, avec Karima Diresh, qui est historienne à TLM, à Aix-Marseille Université, avec laquelle nous souhaitons évoquer la question du débarquement des pieds noirs à Marseille et la façon dont ce débarquement a été à la fois perçu, mais dont il a été aussi traité, entre guillemets, notamment par l'ancien maire de Marseille, mais pas que, la façon dont ça a reconfiguré aussi une espèce de géographie sociale à Marseille, avec l'ancrage de ces communautés pieds noirs à Marseille. Enfin, je poursuis avec Promémo, puisqu'il y a énormément de programmation commune. Donc Promémo, ce sera le jeudi 30 juin, notamment. Oui, alors Promémo, rapidement, c'est une association qui a une vingtaine d'années, qui travaille, comme son nom l'indique, sur la mémoire, qui a parlé des enjeux de mémoire, et l'histoire du mouvement ouvrier en Provence. Dans ce cadre-là, nous a semblé que ce temps commémoratif essentiel, qui est le soixantenaire des accords d'Évian et de la fin de la guerre d'Algérie, il fallait que l'on revisite un petit peu comment les organisations du mouvement ouvrier, au sens large, très large, hein, qui va des libertaires, des anarchistes, de l'extrême-gauche jusqu'au Parti Socialiste, soit revisité, parce qu'au fond, cette guerre d'Algérie, au-delà de la tragédie qu'elle a été, elle a percuté de plein pied la société française, la société algérienne, et les organisations qui travaillaient pour l'émancipation. Donc on va essayer de revisiter ça en deux temps, une soirée un petit peu décalée, géographiquement à Septèmes-les-Vallons, à la bibliothèque Georges Giroboul, il y a une petite erreur dans le... Et non pas Mandela, c'est une autre structure du septembre qui porte ce beau nom aussi, voilà. Et il y aura un deuxième temps en octobre, c'est en train d'être finalisé par Fabien Benezet. J'en profite pour citer les historiens qui seront auprès de nous, donc Sylvie Thénault qui reviendra, parce qu'elle a travaillé aussi sur le mouvement ouvrier en Algérie, Raphaël Branche qui viendra parler du silence qui a suivi la guerre d'Algérie, notamment chez les appelés, Alain Russo, Fabien Benezet, Henri Saint-Jean, qui viendra nous parler d'un courant un petit peu oublié, les libertaires et les trotskistes dans la guerre d'Algérie. Voilà. Et ces deux soirées seront synthétisées par un livre collectif. Au début, on voulait faire une revue spéciale, mais comme il y a 15 auteurs, dont Samia et bien d'autres ici présents, nous allons organiser un ouvrage collectif. On fera passer une souscription bientôt. Voilà. Pour conclure rapidement, et pour prolonger ce que tu disais, l'histoire est un des meilleurs outils, pas le seul, mais un des outils pour réconcilier et apaiser les mémoires. Ça veut dire qu'on fera de l'histoire non pas pour un regard nostalgique ou mélancolique sur le passé, mais pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé et pour chercher dans les questions du passé peut-être quelques réponses pour aujourd'hui. Nous en avons tous bien besoin. Alors, on a égrené des événements. On a commencé avec 2-3 événements. Et puis, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Donc, on poursuit en septembre et jusqu'en même en décembre. En septembre, évidemment, je redonne la parole à Michel. Alors, ça, c'est les voiles de la paix. Ce pratique, ça sera la 10e édition cette année. Et les voiles de la paix, les organisations partenaires. Entre parenthèses, c'est un collectif aussi qui est ouvert, donc toutes les personnes qui voudront participer à l'organisation de ces voiles sont les bienvenues. Donc cette année, on a décidé de déplacer sous le 60e anniversaire de la fin des combats et de l'indépendance de l'Algérie. Donc le titre des voiles de la paix, c'est les voiles de la paix en Méditerranée. Hein. Donc on a bien les pieds dans l'eau, là, c'est impeccable. Alors c'est un travail de longue haleine, pourquoi ? Parce que, et je vous présente... Andrea Noader, qui est une bénévole du mouvement de la paix, qui va mettre tout son talent à ce travail de longue haleine. On a envisagé de recueillir la parole des Marseillaises et Marseillais, qui, comme tout à l'heure Jacques le disait, sont tous au moins concernés d'une façon sentimentale, familiale,
philosophique, voire même politique avec l'Algérie, de façon à redonner à une image qui corresponde plus à la réalité, qui soit débarrassée des connotations coloniales, racistes et xénophobes qui martyrisent le présent, fait un passé douloureux et peut-être compromettre l'avenir. Donc c'est la perspective dans laquelle on veut placer ce recueil de paroles de Marseillaises et Marseillaises. Alors pour ça, je vais donner la parole à Andrea, elle va nous expliquer un petit peu ce qu'on va élaborer pour recueillir facilement cette parole. On va essayer de se placer sur deux axes. On aimerait faire un axe recueil de paroles pur qui va se baser sur des questionnaires que je vais me charger de mettre en ligne et de relayer au maximum. Le but, c'est d'avoir le plus de paroles possible parce qu'on veut que les Algériens marseillais ou que les Marseillais qui ont tout simplement l'Algérie au cœur puissent parler sans qu'on parle à leur place, quoi. Donc moi, je vais me charger de mettre ça en place digitalement. Et on aimerait faire un autre axe plus basé sur la récolte d'images. Donc le but, ce serait que moi, j'aille à chaque événement qui seront tout au long de l'année jusqu'au Voile de la Paix pour faire notamment une série photo au nom du mouvement de la paix qu'on pourra ensuite partager sur les plateformes. Et toutes les récoltes de paroles qu'on va effectuer seront délivrées au moment des Voiles de la Paix. C'est ce qui est prévu. Alors, les Voiles de la Paix, c'est un événement festif qui montre la paix à Marseille, en Méditerranée. Donc ça dure toute la journée. Et on essaiera de, au moins l'après-midi à l'Estac, de pouvoir faire une vraie teuf, comme on dit, et qu'il y ait plein de youyou et que ça sente bien le couscous ce jour-là pour montrer que Marseille c'est une ville en fête aussi quand elle part de l'Algérie. Ok, bon ben bah, tu charges le couscous parce qu'il n'est pas question que les femmes s'y collent. Hein. On va arrêter là, hein. C'est un couscous d'homme, hein, je vous le dis tout de suite. Et les youyou, qui va les faire? Ah bah écoutez, vous débrouillez, mais c'est nous hommes qui se débrouilleront pour la cuisine. Voilà. Donc, les Voiles de la Paix, c'est un rendez-vous très important et c'est un rendez-vous ancien auquel on sera au rendez-vous, évidemment. 10e édition. On poursuit en novembre avec un film que j'ai diffusé il y a déjà presque 17 ans à Marseille, qui s'appelle Mujahidat, qui est justement des témoignages bruts de femmes engagées dans la révolution algérienne et en faveur de la libération. Et je trouvais que c'était intéressant de réinviter Alexandra Dolz, puisqu'il y a quelques années de ça, on n'était pas si nombreuses à venir découvrir ce film. Et je trouve qu'il a toute sa place aujourd'hui à Marseille dans le cadre de ce programme général. Alors évidemment, les temps festifs, on les évoquera en conclusion. Je voulais donner la parole à Brigitte Appia pour la CIMAD. On a rejoint le collectif très très récemment. Et il faut qu'on travaille un peu avec le collectif pour savoir, nous, ce qu'on pourrait proposer, ce serait une conférence, mais peut-être que ce serait mieux de la coupler avec une autre, enfin, je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse à ça. Dans le sens où la CIMAD, après avoir été à Marseille pendant la première partie de la Deuxième Guerre mondiale, de 40 à 42, a fermé son poste à Marseille, puisque la CIMAD date de 39, et a rouvert en 56, volontairement, pour être aux côtés des familles nord-africaines, comme on disait à l'époque. Et donc, pendant la guerre d'Algérie, sous couvert d'actions humanitaires en cours de français, etc., etc., il y avait toute une action politique de la CIMAD par-dessous, qui allait des porteurs de valises à amener les femmes dans les camps où étaient enfermés leurs conjoints qui étaient stigmatisés comme étant membres du FLN, etc. Donc il y a eu toute une série d'actions là à Marseille et également par la CIMAD en Algérie dans les camps où étaient regroupées les familles algériennes. Donc la CIMAD était également présente en Algérie, aux côtés des familles algériennes. Et puis après-guerre, la CIMAD a continué, entre autres, à participer au reboisement. Il y a eu différentes actions. Donc je pense que en tant que CIMAD, on a quelque chose à dire par rapport à l'histoire de l'association avec le peuple algérien. Voilà, donc on pense à des personnes pour une conférence. Maintenant, il faut qu'on discute avec vous pour savoir si effectivement ça peut être une conférence en soi, uniquement la CIMAD, ou si vous préférez qu'on se mette avec d'autres. Ben, voilà, il faut qu'on voit un peu. Bon, si on peut le faire, on le fait. Je vois qu'octobre, il y a un trou. Peut-être ça pourrait être sur octobre. Absolument. Donc, voilà, absolument. Il faut qu'on voit ça. D'autant que. Alors moi, je suis très heureuse que vous rejoigniez le collectif parce que évidemment, il y a la figure de, notamment parmi tant d'autres, de Madeleine Rebouin, à laquelle nous on fait référence souvent.
dans nos balades patrimoniales, puisqu'elle a joué un rôle tout à fait particulier auprès du FLN à Marseille. La CIMAD ne pouvait pas ne pas être présente dans ce collectif, on s'en réjouit. Et donc, évidemment... Alors, juste encore un petit mot, c'est que complètement par hasard, j'ai retrouvé le fait que pour les 30 ans de la CIMAD, donc ça fait 69, donc pas très longtemps après la fin de la guerre d'Algérie, il y avait eu une exposition de montée sur la guerre d'Algérie. Et donc je suis en train, j'ai lancé des ballons un peu partout pour essayer de voir si cette exposition existerait encore dans des sous-sols quelque part. On va travailler sur vos archives, je ne crois pas avoir vu passer d'expo, mais j'espère. Mais peut-être qu'elle est chez un militant. Voilà. Ça arrive beaucoup, c'est souvent le cas. Donc des militants sauvegardent des choses. C'est une exposition que je sais qu'elle avait été présentée dans un musée du sud-ouest rwandais ou quelque chose comme ça. Enfin, je suis en train de chercher, mais bon, doute. Alors je sais qu'il y a plein de prise de parole qui se prépare, mais je voulais donner la parole à Denis Martinez, évidemment, parce que je voulais dire que évidemment on s'est posé la question d'une programmation plus artistique, les expositions, les films, les temps festifs. Nous, on a une date aussi, le 2 juillet peut-être à confirmer, où on aimerait faire une grande fête. Alors, je ne sais pas s'il y aura du couscous, mais en tout cas, il y aura des artistes. Parce que ça nous semble être une approche tout à fait indispensable, que ce soit les arts graphiques, que ce soit les arts, la musique, etc. Donc, je voudrais donner la parole à Denis Martinez, qui nous fait l'honneur d'être présent. Bon, merci d'être là, Denis. Les gens qui ne me connaissent pas, comment je vais leur dire qui je suis. Tout le monde est habitué. Non, c'est pas sûr. Je te dise. Non, d'accord. Non, parce que bon. Donc, je suis artiste plasticien, d'accord, ancien enseignant aux Beaux-Arts d'Alger jusqu'en 1994, c'est-à-dire l'année où on a été obligé de prendre l'exil par des menaces de mort, parce que le milieu artistique était visé. Il faut savoir que Ahmed Asla, le directeur des Beaux-Arts d'Alger, a été assassiné en 1994 avec son fils dans l'école des Beaux-Arts même. Et c'est lui qui m'avait dit qu'il fallait que je parte avant que ça arrive. Ils étaient tous condamnés à mort après avoir fait partie du comité après l'assassinat de Tarjaout. On avait créé un comité pour la vérité de l'assassinat de Tarjaout, qui était écrivain, journaliste, etc. Et tous les membres de ce comité-là ont été visés, condamnés à mort. Le premier a été Boussepsi, et puis d'autres, etc. etc. Donc, c'est Ahmed Asla qui m'a poussé à prendre le chemin de l'exil. Il m'a dit, fous le camp, ne reste pas là, etc. C'était provisoire, j'étais parti pour un mois. Et après, il a été assassiné, donc bon. Alors, le destin a voulu que je me retrouve après à Aix-en-Provence, où le directeur des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence était en relation avec les Beaux-Arts d'Alger pour recevoir les enseignants. Ils m'ont pris en charge alors que je n'avais aucun papier. Ils m'ont embauché alors que j'étais en situation irrégulière, etc. Bon, ben. Et je me suis installé à Marseille avec mon épouse, qui elle était française, parce que moi je suis citoyen algérien, il faut le savoir. Algérien, point à la ligne. Donc, mon épouse, qui était originaire de Savoie, a enseigné, a trouvé un poste au collège du Vieux-Port. Donc, ça c'est. Et oui. Ça fait partie de l'histoire. Oui, je dis pour situer. Donc, c'est grâce à elle qu'on a pu s'habiter à Marseille. Et vivre à Marseille, c'était un choix important parce que ça nous permettait de ne pas quitter le pays complètement. Oui, tout à fait. Surtout à l'époque. Et puis en plus, il y avait tout un mouvement citoyen, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'État français, à l'époque, nous voyait très mal venir. Quand je suis arrivé d'abord, j'étais accueilli à Grenoble parce que j'étais reçu par des amis. La wilaya, la préfecture. Le service des étrangers de Grenoble, ils m'ont proposé de rentrer au pays avant de qu'on mène avec les menottes. Alors que bon, heureusement qu'il y a eu quand même le mouvement citoyen français dans tous
les villes, dans tous les recoins où il y avait des gens qui étaient dans le même cas. C'est des mouvements associatifs citoyens qui a permis aux exilés de trouver place. Mm. Ça, c'était parce qu'à l'époque, les gens se demandaient ce qu'on venait foutre là. Ça n'était pas un truc. C'est tout. Donc les artistes. Hein? Oui, alors. Non, mais ça, je suis artiste citoyen. Donc, recruté aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, on a organisé un premier événement en mars 2000. T'as ton premier témoin, André. Un premier événement sur la culture algérienne. En 96, on a fait un grand événement à la friche de la Belle de Mai. Ça s'appelait à l'Oasis de la Belle de Mai. Avec grâce à Philippe Fouquet. Ouais. Et en 2003, pareil, alors c'était un grand événement qui a duré un mois. C'est la jonction de Zahir à la friche avec Philippe Fouquet, qui a duré un mois. Fouquet m'a donné carte blanche, etc. Bon, à ce moment-là, j'avais fait venir, en dehors de ma propre action personnelle, en tant qu'artiste exilé, j'avais fait venir des gens du pays. Ben, c'était ça le plus important, les faire venir. Donc, il y avait Hassan Metreb, qui était un des animateurs principaux culturels de la région, dans Kabylie, avec qui on avait beaucoup collaboré à l'époque, quand j'étais enseignant aux Beaux-Arts. Et donc, il devait venir pour parler de problèmes d'action culturelle en Kabylie, etc. Donc, il y a plusieurs éléments. Et à ce moment-là, quand on s'est retrouvé avec Hassan Metreb, c'était 2004, on s'était dit qu'il fallait reprendre le chemin du pays. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était possible. Et nous avons créé le festival Racontard, le festival citoyen, festival participatif à moyen de bord en Kabylie, avec l'aide des villageois, pour les villageois. Et on a démarré à Bléhéni en 2004. Nous étions trois à avoir fondé ce festival. Hassan Metreb, Salah Sulaiman Rahmo, qui est décédé après, et moi-même. Et on a démarré avec trois Fariens. Mais ce trois Fariens a déclenché comme une espèce de boule de neige. Tous les villages de Kabylie étaient demandeurs. Donc, Denis, on va avoir une contribution de ta part pour cette programmation. Alors, justement, je voudrais... C'est cette aventure-là. Non, cette aventure que je voudrais faire connaître. Parce que maintenant, nous sommes arrivés à un festival avec 2000 participants. Bravo. Avec des gens de Marseille, de même, le dernier festival, il y avait même des gens de Nouvelle-Calédonie qui sont venus. On demande bien pourquoi. En Kabylie. Donc, il y a ça, il y a aussi le besoin de faire venir des gens parler, si c'est possible, faire une exposition sur la peinture algérienne. Il y a des expos qui sont. Il y en a une qui se fait, à l'Institut du monde arabe, avec plusieurs générations. Alors, c'est possible aussi avec des conférences, des conférenciers. Faire voir le rapport, parce que là, je parle de ça parce que c'est important. D'accord, il y a eu le 19 mars. Mais ensuite, il y a eu l'utopie. Après, il y a eu la grande déception. D'accord ? Mais, mais dans l'utopie, il y a eu les Vautiers, les compagnies, etc. Il y a toute une aventure qui s'était créée à cette époque, avec le ciné-pop, etc. C'était un truc, une dynamique qui a mis en marche un état d'esprit. Cet état d'esprit dans une génération qui a quand même provoqué, même dans les années les plus merdiques, des gens formidables à faire des choses fantastiques là où. D'ailleurs, à chaque fois que je parlais des festivals racontables, que je témoignais avec des films, les gens me disent ça se passe en Algérie, ça. Oui, mais ils ont entendu comment c'est formidable. Oui, mais c'est les citoyens, c'est pas l'État. Absolument. C'est pas l'État, c'est les citoyens. Donc, cette aventure-là, il faut absolument en parler parce qu'elle est devenue internationale. Et puis, inviter des artistes comme Ali Silem,
qui est arrangé, oui. qui peut partir, ici, j'aime tout à fait. Qui peut parler à la fois du rapport poésie et peinture, parce que bien sûr, il y a tout le corpus de littéraire, la littérature, la poésie, les arts plastiques. Évidemment que on est un collectif d'associations citoyennes avec pas vraiment de budget dédié à cette programmation qu'on vous présente aujourd'hui. Néanmoins, on a eu cette intention de mettre en commun, et évidemment on pense à des personnes comme Anissa Bouayette qui a beaucoup produit sur la peinture et, sur les, et qui est pas loin de Marseille. On pense aussi, je voulais quand même rendre hommage à Fatih qui nous a quand même fait ce logo. Pour l'inclure, attends. Ben, il est inclus, c'est lui qui a fait le visuel du collectif. Qui n'est pas définitif parce qu'il manque la version berbère à laquelle on tient tout à fait particulièrement l'Algérie au cœur et donc qui se rajoutera dans le logo définitif. Très important d'évoquer ces artistes exilés qui ont trouvé à Marseille une terre d'accueil. Il y a des films à proposer. Il y a énormément de choses à proposer. On fera au mieux en fonction de... Et ce qui est très important, c'est qu'on ait envie. Cette envie positive de partager cette histoire et cette mémoire de la guerre d'Algérie. Alors, vous savez que la conférence de presse, le principe, c'est que les journalistes posent des questions. Alors, quand on est avec des Algériens, on sait que c'est toujours un peu compliqué. Il y avait Solange qui... Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le programme, on aimerait bien, à Flamme, qu'avec d'autres associations, peut-être Ancrage, peut-être d'autres, trouver le moyen de rendre hommage à Boudjé Makaresh, qui a été une personnalité vraiment tellement fondamentale pour l'histoire du jeune cinéma en Algérie. Il y a un réalisateur qui s'appelle Mohamed Latrèche qui vient de faire un film qui est un film avec Boudjema et sur l'histoire de la cinémathèque et du cinéma à cette époque-là. Et donc il va y avoir une rencontre avec Boudjema. Il va être invité à la cinémathèque française à l'automne, je ne sais pas exactement encore quand, avec la présentation de ce film, et ce serait quand même vraiment bien de pouvoir l'inviter ici. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué de prendre la parole en tant qu'élu ici, parce qu'on ne voudrait sûrement pas que la mairie récupère ou soit en tous les cas en position de s'approprier le sens de ce mouvement citoyen, qui n'est pas un mouvement officiel, ni un mouvement d'État, ni un mouvement municipal. On est irrécupérable. Je pense que vous êtes irrécupérable en plus. Donc je ne fais pas partie du collectif, même si j'ai l'Algérie au cœur, même si je dois être une des rares Marseillaises à ne pas avoir de lien réel avec l'Algérie, mais en tous les cas, que ce mouvement, ce que vous faites est incroyable. Je crois que c'est historique. Je crois que faire une association d'associations aussi diverses, mais aussi cohérentes, féministes, anticolonialistes, évidemment, pacifistes, évidemment, arriver à faire tout ça avec des gens aussi divers que des rapatriés, des binationaux, des archiïs, des kabyles, c'est juste formidable. Et c'est historique, c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à le faire avant, sans concurrence des mémoires. Il faut absolument qu'on s'associe, que la mairie s'associe à ça, sans récupération, on accueille à la mairie du 1-7 un certain nombre d'événements, l'exposition, des débats et des films, qu'on va essayer d'accompagner financièrement le mieux possible également. Le travail sur les unes de la Marseillaise, Et juste formidable, c'est-à-dire qu'on se rend compte en regardant les unes de la Marseillaise à quel point ce journal a été exemplaire pendant toute cette période-là, anticolonialiste, du début à la fin évidemment, mais du début, dès après, dès 45 quoi, enfin dès que la Marseillaise a commencé à exister. Et cette mémoire de la gauche, elle est précieuse. Et cette mémoire de l'Algérie à Marseille, effectivement, comme le disait Samia, pas assez travaillée, pas assez comprise, et c'est très important qu'elle le soit. Voilà. Donc la mairie s'associe à tout ça, sans volonté de récupération, et le plus discrètement possible, même si vous m'avez demandé de me lever, pas aux autres. Absolument.
Absolument. D'accord. Absolument. Et il est réalisé récemment ou... Il est réalisé ouais. tout à fait récemment. Il est finalisé. J'ai eu bien sûr l'occasion de le voir puisque avant de le programmer, il y a, je pense, une mise en perspective historique du parcours de Fanon, mais aussi d'autres militants comme Alice Cherki, dont le témoignage est tout à fait bouleversant dans ce film, qui me semble tout à fait intéressant parce que tout ce travail qu'a produit Fanon sur les imaginaires coloniaux, sur la façon dont on est encore habité par ces imaginaires coloniaux, ça a la résistance contre cette pratique de la médecine qui qualifiait les indigènes de sous-cortex, hein, il faut revenir à cette période-là et à la façon dont étaient qualifiés les indigènes à l'époque de la France coloniale, permet aujourd'hui d'éclairer en fait aussi un racisme qui perdure et qui me semble tout à fait important de faire connaître et dont les gens ont besoin d'avoir conscience finalement, que ce soit les Français d'aujourd'hui ou même ceux qui ont connu cette période coloniale. Merci. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous espérez aussi que toutes ces initiatives qui se font ici à Marseille, mais une ville qui a beaucoup de liens avec Alger, encouragent aussi les gens qui s'expriment, qui revisitent l'histoire côté algérien, parce que dans le reportage qu'on a fait, beaucoup d'Algériens ici, parfois, n'ont pas voulu témoigner en disant j'ai peur que ce que je dis ait des conséquences sur ma famille qui est en Algérie. Même par rapport à la mémoire de l'Algérie. Des militants du Hirak qui sont pourchassés aujourd'hui en Algérie, et il y en a certains qui sont en France. Et il se trouve que j'étais en contact avec quelqu'un qui est un des fondateurs du RAJ, du Rassemblement Action Jeunesse, en Algérie, et qui est de facto qui est en France aujourd'hui, et on lui posait cette question-là quand on a organisé. On a organisé des séances publiques et puis on avait tourné, le copain qui avait tourné qui avait tourné un documentaire là-dessus. Et donc on lui avait posé la question en lui disant « Est-ce que ça te gêne d'apparaître ?» Et lui avait dit « Non, j'assume complètement de le faire. » Même si ça risque de me retomber ensuite sur le coin des oreilles, j'assume de le faire et j'assume les conséquences de le faire. Mais c'est important pour moi de m'exprimer aujourd'hui en France de façon la plus large possible sur la réalité aujourd'hui de la répression en Algérie. Il est important de faire connaître la beauté du Hirak tel qu'il a existé, autant aujourd'hui il s'agit de, quelque part, se mouiller un petit peu pour défendre ceux qui sont victimes de répression là-bas. La société algérienne est très courageuse. Et les choses, elles sont dites, elles sont écrites. C'est très important. Par exemple, les mouvements de femmes n'hésitent pas à dénoncer ce qu'elles subissent, le code de la famille. Elles sont mineures à vie, elles sont vilipendées pendant les héritages, etc. Bon, c'est extrêmement difficile, mais elles le disent. Et c'est très important, même pendant la décennie noire, quand elles savaient certaines qu'elles allaient être peut-être exécutées. Je me rappelle du mot de Tahar Jaout, « Si tu te tais, tu meurs. Si tu parles, tu meurs. Alors parle et meurs. » Oui, de façon générale, la question que vous posez me semble fondamentale, la question du témoignage des témoins. Ce que nous allons faire, nous, à travers des soirées d'études et le livre, ça sera, à côté du travail des historiens, de faire intervenir des témoins dans leur grande diversité. Parce qu'au fond, ça permet de faire de l'histoire d'en bas, comme on dit, sans que ce soit péjoratif, une histoire populaire. Et au fond, se rappeler que cette histoire-là de la guerre d'Algérie, comme d'autres histoires, on pourrait parler de la Seconde Guerre mondiale ou de l'histoire du mouvement ouvrier, il n'y a souvent de richesse que d'hommes et de femmes dans ces histoires-là. Donc il faut aller chercher les témoignages au plus près, au ras des expériences vécues. Il y a un très beau film qui a été fait par Merza Kalouache, un documentaire qui s'appelle Nissa, les femmes, et qu'on va projeter, et qui, je pense, donne beaucoup à réfléchir, non pas pour rappeler les anciennes figures, mais pour montrer comment les femmes ont, depuis l'indépendance, continué toujours, et comment les jeunes ont repris le flambeau. Voilà. Donc.
expliquer que vous aviez sollicité différentes collectivités locales pour qu'elles puissent s'emparer de cette série de propositions-là. Et je voulais savoir concrètement que vous nous expliquiez comment elles, ces différentes collectivités locales, avaient reçu cette proposition et quels arguments, pour qu'elles puissent s'en emparer ou pas, elles avaient invoqués. Alors, pour ce qui est d'Ancrage, je vais répondre pour Ancrage. Je pense que AFLAM et Ancrage, dans ce collectif, sont des associations professionnelles qui ont demandé, on va dire, d'inscrire cette programmation de longue date dans leur demande de subvention. Et donc, je dirais que le tuyau existe. Et après, l'eau, est-ce qu'elle va venir ou pas, c'est encore en cours des discussions. Et tout n'est pas arbitré. Mais on s'inscrit évidemment dans un travail qui est un travail à la fois militant et professionnel, parce que je pense que c'est très important de rappeler que ce n'est pas contradictoire. Évidemment, pour ce qui concerne l'ancrage, c'est plus facile aujourd'hui pour nous d'évoquer cette valorisation de l'histoire migratoire et l'histoire post-coloniale que ça l'est il y a 22 ans quand on a créé l'association. Moi, je voudrais témoigner de ça, ça me semble très important. Je pense que nos collègues d'AFLAM pourraient en dire autant. Hein. C'est que s'appeler, avoir dans son titre le mot migration, avoir dans son titre le mot arabe, avoir dans son titre la question... avoir dans son titre la question du post-colonial posée de façon très manifeste, ça nous a valu quand même d'être blacklistés pendant 20 ans, plus de 20 ans, d'une partie des subventions de nos collectivités territoriales et locales. Ce n'est toujours pas facile. Ce n'est toujours pas facile. D'où l'importance de la création de ce collectif, parce que les enjeux ne sont pas les enjeux d'association stricto sensu. Ce sont des enjeux de société. Et que ça s'inscrive au même titre que d'autres associations. Je pense aux mémoires arméniennes. Samedi, nous étions au Square Manouchian en train de célébrer la mémoire des FTP-MOI et des 23 de la fiche rouge. De quelle façon la célébration publique et la façon dont on rend hommage et on revient sur cette mise en perspective historique de la participation des étrangers à la libération, de la participation des soldats coloniaux à la libération, du statut des indigènes, même après l'abolition du code de l'indigénat en 1944, la façon dont on a joué le pourrissement pendant cette guerre d'Algérie avec... toujours et jusqu'au bout, une incapacité à donner la citoyenneté pleine et entière aux indigènes, à les reconnaître comme citoyens français, même après cette participation à la libération de Marseille. En travaillant sur les unes de la Marseillaise, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en 1945, on est en train de célébrer les troupes de l'armée d'Afrique qui ont participé à la libération de Marseille. Et en même temps, quelques semaines après, on évoque... le 8 mai 45, les incidents à l'époque à Sétif, Guelma et Kharata, et surtout la présence des soldats qui sont démobilisés à Marseille commence à poser problème. Voyez le décalage historique dans lequel on s'inscrit. Être capable aujourd'hui de transmettre cette histoire postcoloniale, cette question mémorielle, c'est un enjeu citoyen que nos collectivités locales et territoriales doivent entendre. Elles doivent entendre que c'est un enjeu de société, que ce n'est pas un enjeu de financement, même si on est forcé de constater, comme l'a très bien décrit Cesare Matina dans son ouvrage sur le clientélisme urbain, c'est que pour le moment, encore certaines mémoires sont instrumentalisées, et que ça, aujourd'hui, notre collectif prouve par son existence que c'est plus possible et que c'est insupportable. Là-dessus, je peux... ouais. Christian Pellicani, je suis élu premier adjoint à la mairie du premier secteur, et en même temps, je suis à la fois élu communiste, mais membre du Printemps Marseillais, dont on participe à la gestion de cette ville dans un collectif qui est très large. Mais moi, il me semble que tu as employé le mot des collectivités. Aujourd'hui, montrer que Marseille a changé politiquement, c'est aussi montrer que les élus qui forment cette majorité s'engagent pour que la mémoire ne soit pas maltraitée, mais soit traitée de bonne manière. Et donc, moi, je œuvre tous les jours, et ma collègue Agnès Fréchel en est un des meilleurs exemples, mais il y en a d'autres. Et avec la majorité municipale de secteur, on a pris nos responsabilités. Je rappelle le débat autour de la SOS Méditerranée. Je rappellerai toutes les commémorations aujourd'hui ne sont pas traitées de la même manière. Après, et je vois que Samia a regardé la dialectique dans ses propos concernant les finances. Donc je ne suis pas habilité à m'engager sur les finances. Mais ceci dit, sur le fond, on a politiquement, nous, pris l'engagement dans un programme électoral, mais par rapport à nos propres idées. Et moi, en tant qu'élu communiste, ma filiation, père, parce que moi, je suis né en 58, je suis désolé, mais la guerre d'Algérie, pour moi, à cet âge-là, je ne sais pas ce que c'était. Quelques années après, j'ai découvert ça dans l'école primaire, il s'était passé quelque chose.
Et plus tard encore, quand j'allais dans les quartiers nord, ces cités qui avaient poussé comme les champignons, on m'a dit là, c'est les pieds noirs. Voilà. Voilà comment on t'enseigne l'histoire, en bas, comme tu disais, la mémoire collective. Et j'ai découvert la commune de Marseille par une peinture au noir, en allant au lycée Jean Perrin. La commune vivra. À l'époque, je me rappelle, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette connerie, la commune, c'est Marseille. Et je me suis éduqué, pas à l'école, mais par le syndicat étudiant, par mes camarades et tout. Donc, pour revenir aux propos, effectivement, je dis pour les collègues journalistes, il y a un engagement politique à avoir, citoyen, voilà. Et à titre personnel, culture de paix, ça fait des années que je participe au voile de la paix, parce que c'est important dans l'instant présent, ce qu'on va faire, ce que vous allez faire, mais auquel on va participer, soit en tant qu'élu, soit en tant que citoyen, les deux à la fois, c'est quand même un moment particulier. La culture de paix n'a jamais été autant à l'heure du jour si on veut en sortir de ce conflit. La ville de Marseille a mis à son fronton le drapeau ukrainien. Il y a quelques jours encore, personne ne savait où était l'Ukraine à Marseille. Un peu. Voilà. Enfin, moi, je voudrais pas voter en touche par rapport à la question, mais je pense que la question du financement, c'est pas une question de financement seulement, c'est une question d'engagement politique. Mais on y pensera quand même, on va quand même penser. C'est ce qu'il faut dire. Tu dois répondre là, c'est très bien. Voilà, moi, je suis désolé, j'ai eu un petit problème médicament à prendre dans un certain horaire. Non, mais je suis parti là, moi. Jacques, oui, non, c'est très bien qu'il y ait pour le coup. Des initiatives comme celle dont tu parles, Agnès et d'autres élus évidemment, qui soutiennent l'action du collectif et qui s'y engagent d'une façon très très forte, nous on s'en félicite. C'est pas quelque chose qui pour nous est un impératif. On entend là, on souhaite, on veut là pour le coup mener l'action du collectif d'une manière qui éventuellement sera tout à fait indépendante du soutien qu'on peut avoir, notamment de la municipalité du printemps marseillais. Si c'est nous qui avons besoin le printemps marseillais, c'est possible. C'est possible. Si la municipalité du printemps marseillais, autrement que par ce que vous dites, dans le 1-7 et dans d'autres secteurs, entend aller plus loin, tant mieux. Mais il s'agit pour le coup que la municipalité nouvelle, celle du printemps marseillais, s'exprime politiquement sur cette question-là du 60e de l'indépendance, de la fin de la guerre de l'indépendance. Il faut là qu'il y ait une expression de la nouvelle municipalité. Alors, il y a eu plusieurs demandes de prise de parole. Zoubida. Moi, je suis une franco-algérienne. Donc, cette histoire de mémoire, c'est un vrai parcours du combattant. C'est-à-dire qu'on est issu des quartiers, on est enfant de seconde génération d'immigration algérienne. Nos parents nous ont transmis cette histoire. C'était quand même des ouvriers, de la classe ouvrière. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure. Je trouve que c'est un élément important. Et je grandis dans les grands ensembles, dans les quartiers nord de Marseille. Et c'est vrai qu'il y avait les pieds noirs d'Algérie qui sont tous partis, ils ont acheté des maisons et restés les immigrés avec le mythe du retour. Moi, je pense qu'important, c'est dans cette mémoire, c'est qu'on remette à jour. C'est important que la Marseille dise ça fait partie de notre histoire, l'histoire de l'Algérie. Et moi, je trouve qu'on est trop exclu. Enfin, on est relégué par rapport à ça. Et par rapport à notre mémoire, du coup, nous aussi, on est relégué. On n'est pas partie prenante. Et c'est un problème. Et ça, c'est un problème, il faut y remédier. Et c'est très difficile. Et le racisme anti-néocolonialiste par rapport aux enfants des immigrés, pour ça qu'il y a eu beaucoup de meurtres, hein, racistes, policiers, etc., qu'on a subi, nous, notre génération. Il faut parler aussi de la bombe qui a été mise en 73 au consulat d'Algérie. Je veux dire, il y a beaucoup d'histoires que les Français ne savent pas. À part ceux qui sont vraiment dans le coup, qui lisent. Mais nous, on a été touchés de plein fouet. Je me rappelle encore que nos parents interdisaient à nos frères de sortir. Et même eux, ils travaillaient, ils rentraient. Il y avait les ratonnades, etc. Donc moi, j'ai un copain qui était moitié algérien. Son père était algérien et sa mère française. Il avait les cheveux bouclés. Sur la rue d'Aix, il s'est fait frapper et ils lui ont cassé toutes ses dents. Et il a pris conscience qu'il était algérien. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut, on en parle. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui... Et la municipalité, il faut qu'elle reconnaisse aussi cette histoire, c'est certain. L'argent, c'est le nerf de la guerre quand même. Parce que s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire venir des auteurs, on ne peut pas réserver des salles, on ne peut pas, etc. Et l'argent, c'est qu'on le veuille pas, c'est une importance. Mais bien sûr, il ne faut pas que ce soit une histoire du clientélisme, il ne faut pas que ce soit « tiens, tu n'en sais ça ». Et moi, je pense que la mairie, il faut qu'elle s'affirme par rapport à l'Algérie. En tout cas, moi, je suis partie de cela en tant que conseillère municipale.
c'est très important. Voilà, donc il y a des commémorations, c'est vrai, le Parti communiste, on ne peut pas le mettre de côté avec Christian Bikini, on se rencontre dans les commémorations parce qu'ils ont fait partie de l'histoire de la libération d'Algérie. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on pour moi, c'est très important et qu'ils soient relégués sur les quartiers et les jeunes français, algériens, n'importe quelle origine, parce qu'on parle de l'Arménie, on parle d'Israël, fait plein de choses, mais on ne parle pas de nous. Donc c'est un problème, on aurait dit qu'on n'est pas français, on n'est pas citoyen. Alors moi je suis contente de dire, le citoyen c'est très important. Je suis citoyen franco-algérien, j'ai été adopté ici à Marseille depuis 30 ans, et toutes ces actions que vous avez menées, moi j'en avais fait quelques-unes dans la voile, dans l'exposition d'artistes peintres, j'ai amené des artistes marseillais à Alger pour peindre la Casbah, j'ai ramené des jeunes artistes algériens qui ont peint le Padier. On avait fait la première régate de voile Marseille-Alger Cup en 2008 et j'ai amené des compagnies de théâtre jouer à Alger autour de la paix et la diversité culturelle. Donc on essaie d'être cette passerelle réelle. Toutes ces questions liées au financement, je les ai observées parce que je suis même membre du conseil d'administration de TUISA et j'ai vécu tout ça de très près. Ce qui me semble aujourd'hui important, c'est que c'est d'y aller aussi chercher dans la citoyenneté économique. Donc des entreprises citoyennes qui sont en mesure de faire ces liens et de rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. Ce travail-là ne se fait pas. Tout le monde s'attend à ce que les collectivités ou des institutions ou institutionnelles étrangères mettent la main à la poche. Comme il n'y a pas de traité de paix, donc c'est un langage de sourds. Je pense que cette mobilisation ne peut se faire aujourd'hui que par un actionnariat citoyen, porteur de valeurs humaines, porteur de citoyenneté, et avec des vraies actions concrètes. Et là, on peut changer, je pense, les paradigmes. Écoutez, si vous pensez à des mécènes, faites-nous signe. C'est mon travail quotidien. On va se rapprocher de vous dans ce sens. Allez, mort et la paix. Voilà, mes amis, et ces présents savent très bien ce qu'on fait. Et c'est pour cela que j'ai pris cette... Merci à vous. Comment on fait pour aller vers le plus jeune public? Pas forcément très jeune public, mais les ados, les gens combattants, les gens qui ont... Voilà. Les jeunes marseillais, c'est une excellente question. Michel, je t'en prie. Dans l'objectif des voiles de la paix, puisque les voiles de la paix, ça va être au moment où on va restituer cette parole des Marseillais, on va essayer de la restituer pour toutes les générations. Et on est en train d'essayer de prendre contact avec... notamment, on va demander à la municipalité de nous aider, comme elle avait déjà fait l'année dernière, pour l'accueil des migrants, pour avoir des contacts dans les écoles et dans les centres sociaux, de façon à ce que les éducateurs puissent, puisque les enfants sont des éponges, puissent ressortir un petit peu le sentiment des jeunes enfants, déjà pour commencer, par des dessins, par des expressions qui sauront certainement mettre en œuvre, leur vision. Ils ont, comment ils sentent cette histoire de l'Algérie et de la France. Et on le restituera au moment des voiles de la paix, ça sera le sujet des voiles de la paix. Donc effectivement, puis il y aura aussi les micro-trottoirs qu'Andrea fera certainement à diverses occasions pour recueillir la parole de ces adolescents. Alors ce que je voudrais dire, moi, en complément, c'est qu'il y a plein d'associations qui font déjà un travail de transmission sur ces questions-là. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a rien de produit. Il y a des narrations qui sont portées par l'ONACVG. Il y a une exposition sur la guerre d'Algérie qui est diffusée par l'ONACVG et dont certains membres du collectif témoignent, dans lesquels dans les lycées en région PACA. Jacques Pradel en fait partie, mais je pense aussi à Saïd Merabti, qui représente la parole des harkis. Je pense à Gilbert Soulet, qui a été appelé pendant la guerre d'Algérie. Toutes ces personnes, en fait, agissent déjà dans cette fonction de transmission. Le travail d'ancrage également, avec la diffusion d'expositions sur les questions coloniales et post-coloniales. C'était le cas il n'y a pas si longtemps à la mairie des 1-7 avec cette exposition qui s'appelait Les Indépendances, qui revient non seulement sur la guerre d'Algérie, mais sur aussi d'autres conflits de décolonisation. Je pense à la guerre d'Indochine en particulier, je pense à Madagascar, parce que c'est intéressant de voir que la guerre d'Algérie occupe beaucoup d'espace et de narration aussi dans ces histoires décoloniales, mais qu'il y a d'autres conflits qui ont été difficiles et violents
que la guerre d'Algérie. Donc ce travail, il est fait à travers la diffusion d'expositions itinérantes, d'ateliers pédagogiques sur les questions décoloniales et postcoloniales, et elles sont portées par l'éducation nationale, pas toujours aussi, dynamique que nous le souhaiterions, mais on est tout à fait conscient d'une réalité sur cette question de transmission qui est un peu le nœud du problème, c'est que les enseignants aujourd'hui, qui ont des classes en phase 2, ne sont pas les mieux armés pour parler de la guerre d'indépendance d'Algérie. Ils ne connaissent pas, et quand ils ont le choix entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, dans 90% des cas, ils traitent de la Deuxième Guerre mondiale, parce que justement, il y a encore cet effort à faire de transmission d'abord en direction des éducateurs et du personnel enseignant. Donc vous voyez, là, on touche des questions qui sont, si la société civile et les associations sont tellement engagées sur ces questions-là, c'est parce que nous avons tout à fait conscience qu'il reste encore beaucoup à faire en direction des enseignants. Je voudrais juste rapidement dire que Ancrage, mais aussi AFLAM, organise en fait des projections débats avec des jeunes à Marseille, et que c'est l'occasion aussi de revenir sur ces questions-là. Les historiens, le rôle des historiens est fondamental, celui des témoins est complémentaire, mais celui des acteurs associatifs, il est indispensable pour pouvoir porter ces questions-là dans ces espaces de transmission. Alors, oui, pardon, juste pour dire que bon, le MRAP est une association d'éducation populaire, et nous avons justement une médiatrice culturelle qui travaille en direction des collèges, des lycées, des centres sociaux. Mais effectivement, j'ai conscience que c'est une goutte d'eau, parce que quand on fait de l'éducation à l'antiracisme, on parle aussi de la guerre d'Algérie, on parle aussi des personnes qui peuplent la ville de Marseille. Et le travail que nous faisons est important, mais tellement peu relayé, tellement peu aidé. Voilà, donc c'est quand même, il faut le dire de cette façon-là aussi. Nous avons prévu de... Attendez. Il y avait Gérard et ensuite Jacques. Oui, nous avons prévu d'intervenir dans les classes avec il y a d'excellents outils qui sont faits pour les enseignants, mais aussi pour les animateurs. Je pense à un ouvrage qui s'appelle Midi Pile, l'Algérie, qui a été édité par les éditions Rue du Monde. Cet ouvrage a l'avantage à la fois de permettre aux enfants d'entrer par une fiction, une histoire, et dans l'ouvrage, ça s'appelle un docu-fiction, il y a à chaque page des images d'archives de la guerre d'Algérie. Donc il y a ce travail-là. Et puis, dans l'initiative que j'évoquais tout à l'heure pour le mois d'octobre, Fabien Benezèche, qui est un jeune doctorant, a prévu une partie d'une table ronde qui sera consacrée à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie, de voir comment cette guerre d'Algérie, elle a été, ou non d'ailleurs, ou mal, enseignée à travers, depuis 20 ou 30 ans. Donc ça sera un des aspects sur lesquels qu'il faudra revisiter. Oui, c'est vrai que dans la liste des initiatives qui sont prévues, il n'y en a aucune qui soit spécifiquement dirigée vers la jeunesse, vers les jeunes. Mais c'est terriblement compliqué d'arriver à faire ça. Il faudrait éventuellement penser à un moment soit festif, soit sportif, ciblé là pour le coup sur ce... Et peut-être que c'est une... Peut-être que c'est une lacune qui existe là-dedans. Maintenant, moi je participe depuis très longtemps, depuis que l'initiative a été lancée par l'ONACVG, et l'ONAC c'est l'Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, mais c'est un accord entre l'ONACVG et l'Éducation Nationale, c'est pas uniquement l'ONACVG. C'est très positif, c'est réjouissant. D'intervenir auprès des gamins, de voir combien, pour beaucoup d'entre eux, eh ben, on apporte quelque chose à quoi ils n'ont jamais eu accès et dont ils sont frustrés. C'est vraiment quelque chose d'extraordinairement positif. Mais dans la réalité des choses, on touche si peu de monde. Même quand c'est organisé de manière-là. On va essayer de faire un grand concert quand même au Sylvain, au Théâtre Sylvain. Donc là, on devrait toucher des jeunes et beaucoup de monde, en principe. Donc ça sera pour juillet. On va essayer de le faire avec Ancrage autour de la date du soixantenaire de l'indépendance algérienne. Donc autour du 2, 3, 4, 5 juillet dans ces eaux-là. La programmation n'est pas encore tout à fait fixée, mais... ça aura lieu. Je souhaite, c'est comment renforcer effectivement la vie dans ces quartiers nord en particulier, comment travailler avec les centres sociaux, comment mobiliser des associations autour, l'exemple de Chabat dans les quartiers nord, c'est extrêmement important pour vraiment
apporter une innovation dans ces quartiers et amener un éclairage tout à fait nouveau, une autre reconnaissance de ces quartiers. Le roman de Alice Kaplan qui s'appelle Maison Atlas, ça se passe dans les années 90 à Alger, et c'est l'histoire d'une des dernières familles juives d'Alger. Le roman sera en librairie jeudi et elle sera à Marseille, alors malheureusement le 19 mars à 16h. Donc 16h, écoute. Bah, c'est comme oui. À Prado Paradis pour une signature. Mais elle reviendra longtemps, et quelques jours au mois de mai. Donc elle y aura de nouveau d'autres rencontres à ce moment-là. Dès que j'en sais plus, je vous le dirai.